professeur d'éducation physique. J'ai eu une formation de bachelier en éducation physique. J'ai travaillé une année et par la suite, j'ai fait ma formation en psychoéducation pour devenir psychoéducateur à Boscoville. J'ai été à Boscoville à peu près 14 ans. Par la suite, je suis allé travailler avec Jean Drault au Centre de psychoéducation du Québec à peu près 4-5 ans. Et en même temps, je continuais ma formation universitaire à la maîtrise et je commençais à m'orienter vers une carrière universitaire en travaillant comme chargé de cours à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Je suis allé faire mon doctorat dans le domaine de la psychopédagogie, entre autres en biologie sociale. Et par la suite, j'ai quitté l'école de psychoéducation pour aller en sciences de l'éducation, entre autres en adaptation scolaire à l'Université du Québec à Rimouski. C'est là que j'ai commencé mes travaux, particulièrement en éducation, pour par la suite, 3 ans plus tard, là, venir m'installer au département de psychologie et de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est là que j'ai passé le plus grand temps, je dirais, de ma carrière universitaire à faire mes travaux de recherche, à former des psychoéducateurs. Et par la suite, vers 2006, j'ai pris ma retraite et continué comme consultant, surtout dans le domaine du transfert de connaissances. Alors, brièvement, là, c'est mon parcours. Là. OK. Alors, d'entrée de jeu, évidemment, le parcours initial commence alentour de la psychoéducation et de Boscoville. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce que tu as appelé dans ton texte les leçons de Boscoville. Le Boscoville a été pour moi, je dirais, des racines, des fondements de c'est quoi, dans le fond, l'action éducative ou l'action psychoéducative ou rééducative. Mais ces leçons-là, ils sont applicables autant à la psychoéducation, que ce soit dans les centres de jeunesse, qu'en éducation ou même dans le domaine de l'éducation familiale, si on peut dire. J'ai identifié des choses que je me disais, qu'est-ce qui a été important, dans le fond, dans ces 14 années là, de travail d'intervenant. La chose la plus importante, je pense, c'est la relation, l'importance de la relation éducative. D'ailleurs, dans le modèle psychoéducatif, c'est l'axe central, hein, l'éducateur et le jeune. Donc, cette relation de bienveillance, j'appelle ça de bienveillance, qui est une relation dans l'action, c'est-à-dire dans le vécu partagé. Donc, ça, c'est un aspect que je trouvais fondamental, mettre l'importance sur la relation. L'autre élément que j'ai découvert, puis qui était fort à Boscoville, entre autres par un des modèles, si on peut dire, à Boscoville, Gilles Gendreau, c'est la croyance dans les capacités du jeune, dans la capacité de développement du jeune. C'est là que j'ai découvert, entre autres, pour Gilles Gendreau, qu'il n'y avait pas de jeunes irrécupérables, qu'il y avait des jeunes qui avaient des grandes difficultés, mais tous avaient des possibilités de grandir, de se développer. Donc, le potentiel, ça se transmet. Je crois en toi. Et ça devient « je crois en moi ». L'autre aspect, c'est l'utilisation, le concept d'utilisation qui est dans le fond, aujourd'hui on va parler de conscience dans l'apprentissage, de méta, d'approche méta-cognitive. Et à Boscoville, c'était central, c'est-à-dire ce que le jeune faisait comme expérience, il fallait voir à ce qu'il en soit conscient, quels étaient les moyens liés à ces résultats. Et ça faisait partie du concept d'utilisation. Cette utilisation-là se faisait régulièrement. Par exemple, après les activités, on faisait des analyses post-situationnelles, on essayait de situer des choses. Donc, aujourd'hui, on fait la promotion de la métacognition, mais il y a
déjà 40-50 ans, c'était au cœur de l'intervention. Un des derniers éléments que je trouvais important d'identifier, c'était que les pratiques devaient s'appuyer sur la recherche, mais particulièrement sur l'alliance entre le savoir issu de la recherche, mais aussi le savoir d'expérience. Pour moi, le savoir d'expérience, il y a aussi beaucoup d'importance à la condition que ce soit un savoir qui est réfléchi, qui est analysé, qui est vérifié dans ses résultats et couplé à des éléments théoriques. Alors, c'est, je dirais, un des éléments qui ressortait de Boscoville, c'était que justement, il y avait cette alliance en tout cas la théorie, parce que la recherche était peut-être moins présente, mais la théorie était très présente sur le terrain. Les fondateurs, Jeannine Guindon, Gilles Gendreau, étaient en même temps des universitaires. Et donc, ils enseignaient à l'université, puis en même temps, ils étaient des intervenants, ce qu'on appelle aujourd'hui des praticiens-chercheurs, dans le fond. Et ça, c'est une belle leçon qui par la suite, toujours manifesté dans mes travaux cet intérêt ou cette importance de faire le lien entre ce savoir de la recherche et sur le terrain, comment voir à l'appliquer, d'où le mouvement actuel du transfert de connaissances. En gros, Claude, c'est les éléments. La relation d'aide, pour qu'elle soit significative, quand on dit « je crois en toi », pour commencer, il faut que ce soit vrai, ce n'est pas des mots. C'est-à-dire que c'est une croyance que l'intervenant a par rapport à l'autre. Et c'est quelque chose qui se transmet dans cette relation. Le jeune ou la personne le sent que l'autre croit. Et à ce moment-là, ça lui permet d'intégrer cette croyance-là par rapport à lui-même pour en arriver à « je crois en moi ». Donc, il y a des conditions de formation. La formation, entre autres, de la psychoéducation était une formation au départ de bachelier, mais qui est devenue une formation de deuxième cycle avec des stages. Donc, la question des connaissances est importante. L'autre élément que peut-être des fois perdre en cours de route, c'est la connaissance de soi. De l'éducateur, pour avoir une relation significative, ça suppose en même temps qu'il y a une connaissance de ses forces et de ses vulnérabilités, de ne pas tomber dans des pièges relationnels qui peuvent exister, surtout quand on travaille avec des jeunes en difficulté et qui ont développé des types de relations, des fois qui sont difficiles et qui peuvent, sans le vouloir, tendre des pièges de rejet. Donc, la connaissance de soi, la formation, c'est des conditions importantes. Évidemment, être entouré, de conditions de travail adéquates, c'est-à-dire être en supervision professionnelle, de pouvoir partager, de pouvoir continuer dans de la formation continue. Je dirais, c'est pas magique, mais c'est quelque chose sur lequel il faut investir. Et d'ailleurs, un des éléments qui était fort au départ, entre autres à Boscoville, c'était, sans être une obligation, une quasi-obligation, que les éducateurs vivent une psychothérapie pour mieux se connaître et puis pouvoir favoriser leur propre développement. Et donc, c'est toute l'importance qu'on mettait sur cette question de relation, je dirais. Alors, c'est peut-être quelques conditions. C'est peut-être l'élément exigeant d'être éducateur. Ça fait jusqu'à un certain point d'être des modèles, mais aujourd'hui, en ayant un regard de distance, je dirais, des modèles, oui, de succès, mais aussi de capacité de faire face aux erreurs. Aux échecs aussi. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et le jeune ou les personnes qui sont à risque ou en difficulté
ont un parcours de difficultés, de frustrations, et il y a un apprentissage, si on peut dire, à dire, oui, je dois apprendre à faire face à ces... D'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle la résilience. Hein, la résilience, cette capacité de surmonter des obstacles, mais ce n'est pas des parcours parfaits. C'est-à-dire, oui, la capacité de se remettre en question et d'être un modèle, mais un modèle qui fait des erreurs, mais qui reconnaît. Qui reconnaît là, ses erreurs, effectivement. Quand j'écoute ça, je me plais à penser que oui, la relation d'aide et l'importance de la qualifier alentour des clientèles qui ont besoin, ou en difficulté, qui ont besoin plus d'aide. Mais j'ai comme l'impression que les éléments de base que tu décris devraient être vrais pour toute personne qui veut jouer un rôle éducatif auprès des jeunes. Donc, on devrait pouvoir, je vous dirais, demander à l'ensemble des gens qui interviennent auprès des jeunes, qu'ils soient professeurs ou autrement, tous les professionnels, d'être capables d'être sensibilisés à ces concepts-là et avoir un peu la même recherche de qualité dans leurs relations. Oui, je suis d'accord avec toi. Et même comme parent. Parent, les premiers éducateurs et éducatrices dans le développement des jeunes, c'est des parents. Alors, être parent, c'est tout un contrat, là aussi. Mais c'est, oui, c'est vrai que ces qualités-là, ils sont importants. Et, je ne suis pas certain qu'on... plusieurs de mes travaux de recherche ont été sur la relation maître-élève. Bon, ça s'est appliqué en éducation. On reconnaît que c'est important, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on y donne l'importance que ça a. Et on se rappelle tous, chacun, d'une personne ou deux personnes de personnages dans notre vécu qui ont été significatifs. Ça peut être un enseignant, ça peut être notre marraine, un grand-parent. Et ça, être significatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, qui se transmet. Donc, c'est important. Et dans ce sens-là, moi, je mets beaucoup d'importance. Peut-être qu'on va toucher à la question des bonnes pratiques, éventuellement des pratiques appuyées sur des données probantes. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en sciences humaines puis en relations, il y a quelque chose qui n'est pas toujours technique, qui est comment je dirais, j'appellerais ça l'art. Tu sais, l'art et la science. Il y a quelque chose... c'est artistique, mais la relation, là, oui, on peut la décortiquer, mais il y a quelque chose de spontané, il y a quelque chose qui est important, en tout cas, qui est important à valoriser. Ce qu'on appelait pour un professionnel l'art du savoir-être. Oui, l'art du savoir-être, effectivement. Savoir-faire, oui. L'art du savoir-être. Finalement. Et dans un écrit que j'ai fait, un volume sur « Comprendre l'apprentissage », je parle des trois savoirs, ces savoirs de base-là. Puis moi, je mets comme modèle que ce sont des savoirs qui sont interactifs. Le savoir-être est un savoir d'attitude, un savoir lié à des valeurs, un savoir qui devient, pour être utile, si on peut dire un savoir-faire. Mm-hmm. Il faut que ce savoir-être se transpose dans un savoir-faire. Puis pour qu'il y ait un bon savoir-être, jusqu'à un certain point, un savoir-faire, bien, il faut qu'il y ait un savoir théorique aussi. Alors, c'est pour ça que on les explique séparés, mais ils sont intégrés. Et comme tu dis, peut-être la majeure dans la relation, c'est ce savoir-être, qui va être par la suite, ou en même temps, là, nourri par comment je fais. Comment j'entre en relation là, avec le jeune? Comment je suis capable d'écouter? Comment je suis bienveillant pour aider? La formation des psychoéducateurs, je crois qu'il y a des cours
de relation d'aide, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on met l'importance sur ce savoir-être. L'université reste l'université et elle a une force et une faiblesse, on peut dire. Sa faiblesse, sa force, ben, c'est tout le développement des connaissances et c'est d'avoir des connaissances les plus utiles, si on peut dire, pour l'intervention. Sa faiblesse, des fois, c'est, comment je dirais, c'est d'aller sur des éléments qui restent théoriques et oublier des éléments aussi fondamentaux que deux êtres humains qui se rencontrent. Mm-hmm. Il y a une chimie là, qui doit avoir lieu, et ça, je ne sais pas, je suis un petit peu comme toi, je ne sais pas jusqu'à quel point il donne autant d'importance que ça devrait être. Le système d'éducation, j'ai été quand même une trentaine d'années à faire de la recherche, puis à faire de l'accompagnement dans les milieux scolaires, soit pour la question du dépistage des élèves à risque, soit pour de l'accompagnement vis-à-vis des bonnes pratiques, des choses comme ça. Alors, donc, je crois que le système d'éducation a eu des bonnes tendances s'orienter sur une réussite au départ scolaire pour devenir une réussite éducative, hein, avec ces trois volets de qualification, d'instruction et de développement de la socialisation, faire des bons citoyens, on peut dire. On va dire que le système québécois, par ses résultats dans les grandes enquêtes internationales, est un des très bons systèmes d'éducation. D'autres acteurs en éducation vont quand même mettre un petit peu des bémols par rapport à la beauté de ce système-là. Je dis qu'il est excellent pour 85% des élèves, mais il n'a pas touché à son excellence pour le 15% ou 20% des élèves en difficulté, des élèves qui éprouvent des difficultés scolaires. Et le système en éducation, l'une de ses difficultés, je dirais, c'est entre autres le double système. Financièrement, bon, il y a le système public, et il y a le système privé qui évidemment, dans les bilans, si on peut dire, ou dans le palmarès des écoles, est toujours dans les niveaux supérieurs. Et ça se comprend, parce que le système privé sélectionne, pour la grande majorité des écoles privées, sélectionne ses élèves. Donc, ils prennent les élèves motivés, les élèves qui sont peu en difficulté, ont des petits pourcentages, des fois, des élèves en difficulté. Donc, ce système double, qui est aussi le système privé financé par des fonds, nos impôts, à la longue, ça a créé une espèce de déséquilibre, si on peut dire. Bon, ce qui est arrivé, pour le système public, afin de compétitionner avec le système privé, on a fait des écoles à programmes particuliers, par exemple sport-études, éducation internationale, arts-études, sciences, bon, ainsi de suite. Et en soi, c'est très intéressant parce que ça offre aux jeunes là, une espèce de culture puis du perfectionnement. Le problème, c'est que même ces écoles-là, publiques, font de la sélection. Et l'autre chose, c'est que dans certaines concentrations, c'est dispendieux. En musique, par exemple, ou en sport, c'est par exemple le hockey, c'est pas tous les parents qui peuvent payer des coûts. Donc, l'un des problèmes, c'est que les jeunes en difficulté, qui auraient besoin, dans le fond, d'être stimulés, parce que déjà, ils peuvent avoir des difficultés de motivation, sont souvent exclus
parce qu'ils ne répondent pas aux critères ou parce qu'ils n'ont pas nécessairement, les parents n'ont pas nécessairement les fonds, mais surtout la question de la sélection. Et dans ce sens-là, c'est dommage parce que c'est la richesse d'un système d'éducation et nos élèves en difficulté ne peuvent pas nécessairement profiter pour ça et on sait très bien que ces jeunes-là, des fois, ont des talents en sport, ont des talents en art, en musique, et même, ils peuvent avoir des talents dans le domaine des sciences, mais on va avoir, en tout cas, moins de possibilités. Quand on dit l'égalité des chances pour tous, jusqu'à un certain point, ça, c'est un élément qui est faible dans notre système d'éducation et qui demanderait à être revisité. L'école pour des jeunes et pour particulièrement des jeunes en difficulté peut être un îlot de paix. Il peut être un facteur de protection important. Malheureusement, l'école peut être aussi un facteur de risque. Je dis dans mon texte, par exemple, une école où le climat est non sécuritaire, parce qu'il y a de la violence, de l'intimidation, c'est un facteur de risque. L'école où on ne dépiste pas, on ne met pas des programmes ou des dispositifs de dépistage tôt et d'offrir aux jeunes à risque un soutien aux enseignants, c'est un facteur de risque. Alors que le contraire devient un facteur de protection si on dépiste tôt, et on a toutes les connaissances maintenant de la recherche, il nous dit quand on intervient tôt, quand on dépiste tôt et qu'on soutient, on arrive à qualifier mieux les élèves. Alors, donc, le système d'éducation est un bon système qui performe bien, mais qui a besoin de cette amélioration pour des jeunes en difficulté. Alors, je suis un peu critique là, par rapport à cet élément-là. La gestion de classe, c'est dans le fond tout son aspect d'organisation par l'enseignante ou l'enseignant de qu'est-ce qui se passe dans la classe. Parce qu'au bout de la ligne, une des choses très importantes dans le système d'éducation, puis ce qu'on a oublié des fois avec, par exemple, nos programmes comme Agir autrement, la CIA, les programmes milieu défavorisés, on a oublié d'avoir un œil, un regard de qu'est-ce qui se passe en classe. Parce que les éléments prioritaires, ils se passent là que se fait l'apprentissage. Évidemment, l'école, son climat, la collaboration des parents, ce sont tous des éléments là, aussi importants, mais ce qui va se passer en classe, donc cette gestion de classe, cette relation maître-élève est comme fondamentale. L'autre élément qui peut jouer aussi, c'est ce mouvement d'intégration ou d'inclusion des élèves en difficulté dans des groupes réguliers, qui est en soi un excellent mouvement à la condition qu'il y ait des services pour soutenir ces élèves-là puis de soutenir les enseignants. On parle des fois d'une intégration sauvage, c'est-à-dire c'est pas magique, c'est pas parce que tu mets un élève ou plusieurs, 4-5 élèves qui ont soit des difficultés importantes d'apprentissage ou qui ont un handicap physique ou qui ont un trouble du comportement important, c'est pas parce que tu les mets dans un groupe régulier que magiquement ils vont aller mieux. Ça suppose qu'il y a des professionnels qui vont venir aider en classe et qui vont soutenir l'enseignant dans l'ensemble de sa tâche et ça touche ça, toute la question de la gestion de classe. Donc, il faut faire très attention. Il y a des fois que on se demande si c'est vraiment des valeurs profondes, cette question d'intégration-là, ou si ce n'est pas un petit mélange en même temps pour faire des économies qui, au bout de la ligne, ont des conséquences importantes. Alors, donc, l'autre aspect
que je soulignais dans mon texte, c'est la grande importance d'investir dans les milieux défavorisés. On sait, par des différents travaux de recherche, que des jeunes en difficulté sont plus présents dans les milieux défavorisés à cause de multiples facteurs, dont la stimulation, dont la culture, dont le non-apprentissage de la lecture tôt, et tous ces éléments-là, qui fait que un système d'éducation qui va donner de l'importance aux milieux défavorisés va être un système qui va donner plus d'égalité des chances. Au Québec, on a fait des efforts à ce niveau-là, avec les programmes, entre autres, d'agir autrement. Malheureusement, des évaluations qui ont été faites n'ont pas démontré les résultats qui étaient attendus. On s'est rendu compte au bout de l'année que les pratiques qui ont été faites, ou la plupart des pratiques, étaient en périphérie de la classe. Et on avait de la difficulté à pénétrer dans la classe. Et ça, étant donné que c'est là que se jouent principalement des choses, on s'est rendu compte qu'il fallait donner un coup de barre et continuer, mais en pénétrant dans ce qui se passe dans la classe. Bon, évidemment, je ne veux pas dire que tout se joue uniquement là. Il y a la question de la communauté qui est importante, et particulièrement la question du soutien aux parents qui est essentielle. Un soutien très tôt aux parents, à être parents, particulièrement pour des parents qui ont des difficultés à arriver économiquement et qui, au niveau culturel, ont de la difficulté jusqu'à un certain point à valoriser adéquatement l'éducation. Alors, ça suppose un soutien important. Okay. Puis est-ce que, selon toi, on a toujours un peu les mêmes difficultés avec les parents qui ont besoin d'aide et qui la réclament? C'est toujours un peu plus facile d'y avoir accès, mais on sait qu'il y a beaucoup de parents qui ont besoin d'aide, mais qui n'en veulent pas, pour toutes sortes de raisons. Et est-ce que tu penses que le système devrait être un peu plus préoccupé par ces parents? Effectivement, pour avoir été témoin de programmes, d'ateliers donnés aux parents par les écoles, par exemple, pour de meilleures pratiques parentales, pour aider les parents dans l'éducation de jeunes enfants ou même d'adolescents. Ce qu'on remarquait, c'était les parents qui en avaient le moins besoin qui venaient à ces rencontres-là. Et ça suppose de la part des écoles, mais aussi, moi je mets beaucoup d'importance sur le soutien aux organismes communautaires. Il y a d'excellents organismes communautaires, je pense, dans la région de Montréal ou dans d'autres régions, qui ont des services d'aide aux parents, de soutien aux parents, de soutien même aux jeunes comme tels. Et ça me paraît très important. Moi, ce que je vois comme modèle, c'est vraiment l'école qui se préoccupe des parents, qui se préoccupe des parents qui, justement, par souvent leur propre histoire de scolarisation, ont une vision négative de l'école. Pour toutes sortes de raisons, ça a été dévalorisant et n'aime pas se rapprocher de l'école. Et là, ça demande un effort, comme tu le mentionnes, pour être proche de ces parents-là. Et les organismes, habituellement, l'intermédiaire entre l'école et ses familles, ça va être ces organismes communautaires qui sont implantés dans les milieux. Bien, il faut les soutenir. Il faut financièrement qu'ils soient soutenus. Il faut aussi que l'école et ces collaborations, ces traits d'union avec ce qui se fait dans certains milieux, mais c'est un élément là, qui peut peut-être aider, entre autres, les parents qui ont ces réticences à vouloir être proches de l'école. Parce que souvent,
les organismes communautaires, comment je dirais, ont l'approche, ont la façon, le langage, la façon de parler, la façon d'être avec les parents qui est différente de la culture de l'école comme telle. Hein? Et donc, cet intermédiaire peut être très, très intéressant. Moi, je trouve très important, j'ai mis dans mon texte, le soutien aux organismes communautaires. J'ai eu l'occasion, dans l'accompagnement des écoles, de voir qu'un organisme communautaire qui faisait de l'aide aux devoirs, qui venait à l'école et qui soutenait les parents, de faire la différence, puis d'alléger aussi le travail, la responsabilité jusqu'à un certain point de l'école, qui ne peut pas tout répondre à tous les problèmes sociaux. La psychoéducation a évolué, si on peut dire, par des changements liés à la société en général, liés au fait que, bon, au départ, la clientèle était limitée, si on peut dire. La psychoéducation était centrée soit sur des jeunes en internat, en problèmes de comportement ou en déficience intellectuelle, là, je pense à Sherbrooke. Alors, c'était assez limité comme tel. Et il y a eu graduellement une espèce d'éclatement des clientèles et des milieux. Genre, aujourd'hui, la psychoéducation touche à toutes les formes de clientèle et les formes de problématiques, si on peut dire, qui concernent l'adaptation, les difficultés d'adaptation. Donc, de la petite enfance aux personnes âgées, dans des milieux ouverts et fermés, dans des milieux de santé et de services sociaux. Alors, donc, comment je dirais, avec le temps, les clientèles se sont multipliées, les problématiques se sont multipliées, si on peut dire problématiques au sens des clientèles à problèmes multiples. Et il y a eu quand même un événement très important ces dernières années, c'est l'arrivée de l'ordre professionnel pour les psychoéducateurs. Donc, un ordre professionnel qui amenait des actes réservés, qui amenait aussi une protection, évidemment, du public, puis un cadre bien précis d'intervention, qui a influencé aussi la formation des universités par rapport aux psychoéducateurs, en ayant une obligation de deuxième cycle. C'est-à-dire un baccalauréat et par la suite une maîtrise avec stage. Alors, ces changements-là sont des changements très positifs, si on veut dire. Plus de compétences par rapport à des problématiques de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes par les connaissances qu'on a et par la recherche, les travaux de recherche qui se sont faits dans les différentes disciplines. Donc, ça prenait une formation plus longue comme telle. Alors, ça a été, si on peut dire, des changements importants. À l'origine, la psychoéducation avait, comment je dirais, des fondements là, incontournables. Bon, on a parlé de la relation, ça c'était comme un fondement incontournable. L'intervention directe était un fondement incontournable. C'est-à-dire que la psychoéducation, elle a été créée au départ pour son originalité, jusqu'à un certain point, on voulait faire des espèces de psychologues sur le terrain. Hein? Les premières formations sont parties de l'Institut de psychologie de l'Université de Montréal, bon, qui s'est transformé éventuellement par la suite en école de psychoéducation, mais donc, l'intervention directe, l'accompagnement et ce qu'on a appelé le vécu partagé. C'est un éducateur psychologue, si on peut dire. Là, je ne mêle pas les professions, mais au départ, une bonne formation en psychopédagogie, psychologie, pédagogie, qui travaillait en relation d'aide
dans le vivre avec. Partager des repas, partager des loisirs. Et utiliser ce vécu partagé pour faire grandir, développer l'homme. Et utiliser l'activité psychoéducative comme telle. L'activité, c'était la façon, on peut dire, d'intervenir. Pas l'unique, mais c'est important, que ce soit au niveau scolaire, au niveau des sports, au niveau culturel. Donc, ça, ça a été comme les fondements. Et par la suite, par la multitude des milieux, des problématiques, par le changement des lois, par le fait que la psychoéducation est devenue un ordre professionnel, là est arrivé un certain phénomène où il y a une interrogation sur ces espèces de racines et ces fondements. D'ailleurs, une étudiante au doctorat en psychoéducation, sur notre deck, a fait sa thèse sur l'identité professionnelle et le vécu partagé. Enfin, elle a analysé auprès des psychoéducateurs praticiens ces fondements-là, où c'en était aujourd'hui, en 2016-2017. Ce qu'on remarque, et c'est là que il y a des changements et peut-être des dangers à ces changements-là. Il y a des choses très favorables à ces changements-là, des meilleures pratiques et tout ça, mais il y a des dangers. Parmi ces dangers-là, c'est l'éloignement de l'intervention directe. L'éloignement de l'intervention directe, c'est fait par l'arrivée de ce qu'on appelle aujourd'hui le rôle conseil des psychoéducateurs, des psychoéducatrices, qui a toujours un peu existé, puis qui existe dans toutes les professions. Je veux dire, le physiothérapeute peut avoir un rôle conseil auprès de parents, ou bon, même les médecins. Mais le psychoéducateur a développé de plus en plus ce rôle conseil-là, entre autres en milieu scolaire, en éducation. Pour de multiples raisons, par la pression des employeurs qui, pour rendre, comment je dirais, plus efficace l'intervention et pas accaparer jusqu'à un certain point le psychoéducateur juste avec une clientèle spécifique là, en rencontre. Ça. Et donc, aller vers le rôle conseil, qui est de l'accompagnement de l'intervenant, de l'enseignante ou de d'autres éducateurs spécialisés. Donc, c'est un rôle comme intermédiaire. J'accompagne, j'observe la clientèle, je l'évalue et j'accompagne un intermédiaire à intervenir. Alors, de plus en plus, dans certains milieux, en éducation, il y a ce rôle conseil-là qui prend de l'ampleur et il faudra faire attention à ce que le psychoéducateur, la psychoéducatrice ne deviennent pas des accompagnateurs, des experts de rôle conseil. Bon, là, on pourra se poser la question aussi, pour devenir un bon accompagnateur en rôle conseil, est-ce qu'il faut aussi avoir une expérience d'intervention ou si on prend ça dans la formation universitaire? Alors, ça aussi, c'est tout. Parce que être un accompagnateur, c'est en soi quasiment une profession là, comme telle. Alors donc, ça, c'est le rôle conseil qu'il faut surveiller comme tel. Pas l'éliminer, je pense qu'il est important. Mais il ne faudrait pas qu'il prenne toute la place ou prenne trop de place. L'autre élément avec l'ordre professionnel, ça a été le rôle d'évaluateur. Bon, l'évaluation psychoéducative, elle est importante, puis il y a des actes réservés qui font du psychoéducateur, des personnes qui ont à évaluer le potentiel d'adaptation ou des problèmes d'adaptation comme encore là, le danger, il ne faudrait pas que le psychoéducateur devienne un spécialiste de l'évaluation qui transmet son rapport à des personnes qui vont intervenir. Parce que l'évaluation, comme telle, dans les racines, on peut dire, de la psychoéducation, elle faisait partie de cette façon d'intervenir.
on observait, on évaluait sur le champ, on pouvait évaluer par après dans des rétrospectives pas situationnelles, et ainsi de suite. Il y avait tout un. On faisait des discussions de cas, il y avait, tout un aspect clinique comme tel, mais ça faisait partie, là. D'ailleurs, ça fait partie des compétences du psychoéducateur d'être un évaluateur. Alors, c'est plus une espèce d'alerte que je dis, et c'est des alertes qui ont été soulevées par d'autres que moi aussi. Je pense à Renaud, je pense à Gilles Gendreau, qui me disait, il faut faire attention à ces éléments-là. L'intervention psychoéducative demande une connaissance du problème, de la problématique, une évaluation raffinée, ces choses-là, pour faire un plan d'intervention, le mettre en œuvre, l'évaluer, tu sais, c'est courant. Et des fois, je me posais la question, pourquoi que le psychoéducateur, lui, il serait orienté à être un accompagnateur de d'autres professions? Je me dis, les autres professions, que ce soit le médecin, je sais pas, le physiothérapeute, il fait de la physiothérapie. Le médecin, moi, quand je rencontre mon médecin, il rencontre ses patients, tu sais, je veux dire, peut-être qu'ils en font de rendre conseil, mais c'est pour ça que, en tout cas, c'est un. Puis, comme tu le dis, c'est comme si, pour une bonne pratique, ça suppose ces différentes compétences-là qui vont ensemble. Pas oui, je comprends qu'il pourrait y avoir des psychoéducateurs qui sont plus spécialisés dans de l'accompagnement, comme il y en a qui sont spécialisés, par exemple, c'est-à-dire qui font de la pratique privée. Bon. D'autres qui pourraient pousser plus loin tout le domaine de l'évaluation. Mais si on prend le gros là, de la profession, il me semble qu'il faut faire attention de ne pas détacher. Là, ces morceaux de compétences-là, que ça forme, c'est rester comme un tout, l'aspect clinique. Oui, puis rester connecté aux besoins des Ben oui, c'est ça, clientèles. c'est ça, c'est ça. Sinon, alors, ça, effectivement, c'est un problème là, que j'avais. L'autre chose, c'est, je ne sais pas où en est l'activité psychoéducative. Un temps, c'était le fondement, maintenant, jusqu'à quel point. On a des programmes tout faits maintenant. Des programmes, on y reviendra sur la question des données probantes et tout ça. Mais on va se poser des questions jusqu'à quel point l'activité psychoéducative, qui était aussi un fondement, jusqu'à quel point c'est encore pratiqué, jusqu'à quel point le psychoéducateur pratique cet aspect-là. Pour moi, la recherche, de façon générale, et la pratique professionnelle, c'est un incontournable. On peut pas, pour faire avancer, si on peut dire, une pratique professionnelle, ça suppose qu'il y a des projets de recherche, ça suppose que les connaissances avant ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et je trouve ça important. Ce que je peux reprocher un peu à la recherche en psychoéducation, puis on peut le comprendre, c'est que la recherche en psychoéducation, dans son histoire, a fait avancer des problématiques. C'est-à-dire, par exemple, la délinquance, le décrochage scolaire, il y a eu beaucoup de chercheurs, l'hyperactivité, de recherche. Intéressante et importante sur des problèmes. Là où ça a été malheureusement peu. Où il y a eu peu de recherches, c'est sur les fondements de la psychoéducation. C'est pour ça que je dis jusqu'à un certain point, la recherche en psychoéducation a peu apporté à la psychoéducation. Elle a apporté. Comme la psychologie l'a apporté à des problématiques de troubles de comportement, comme la psychoéducation a apporté, mais sur la question de la discipline comme telle, je dis, ça l'a peu apporté. Puis je me base un peu sur, c'est pas juste, je pense, une opinion, mais j'ai eu l'occasion de regarder le numéro spécial qui a été fait par la revue de psychoéducation
lors de ses 50 ans de revue. Et dans la revue, on disait qu'il y avait eu 477 articles scientifiques qui avaient été publiés dans la revue dans cette période-là. Et qu'il y en avait seulement 68 articles, dont 4, ça veut dire 14 % qui ont été consacrés à la psychoéducation. Et sur ces 14 % de ces 68 articles-là, il y en a seulement 10 articles dans les 50 ans qui ont porté sur des fondements. Et donc, c'est pour ça que je dis ça peut apporter, en tout cas, à la psychoéducation dans sa discipline. Et dans ce sens-là, on a créé, j'ai été, moi, cofondateur, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, un doctorat en psychoéducation. Je me souviens quand on l'a créé, ce doctorat-là, qui existe à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke. Il y a trois universités qui donnent maintenant le doctorat en psychoéducation. Quand on l'a créé, on s'est dit, on voudrait que ce doctorat-là forme les étudiants à faire de la recherche sur les fondements de la psychoéducation. Et, je ne suis pas sûr que toutes les thèses, je ne pense pas que les thèses à l'UQTR soient sur les fondements, mais il y en a quelques-uns et il y a un vouloir, en tout cas, dans ce sens-là. Et ces fondements-là, il y a des beaux thèmes de recherche qui seraient importants qu'ils soient investigués. Et peut-être juste avant de nommer ces quelques-uns de ces thèmes-là, pourquoi que la psychoéducation et les chercheurs en psychoéducation ne se sont pas, aventurés ou centrés sur les fondements de la psychoéducation? Ben moi, je l'explique par le fait que les professeurs d'université en psychoéducation, pour la grande majorité, ce n'étaient pas des psychoéducateurs. C'était des psychologues, pour la plupart, ou des gens en éducation. Et, c'est pas la seule raison, c'est que quand on est dans un processus de recherche, si on peut dire, dans des universités, on cherche des domaines de spécialisation et habituellement, on part de son doctorat. Bon, si on le fait en psychologie, on continue dans le domaine. Et à ce moment-là, on cherche à avoir des subventions et c'est pas certain que des thèmes de la psychoéducation, c'était des thèmes les plus subventionnables. En tout cas, il y aurait une analyse à faire là, du pourquoi, mais ça explique un peu que ça n'a pas été. Dans le fond, la personne que je dirais a fait le plus de recherches en psychoéducation, c'est Gilles Gendron, par ses recherches-actions, par ses collaborations. Même moi, je n'ai pas fait de recherche sur les fondements. Les seules publications que j'ai faites sur des fondements, c'est un article avec Gaétan Gagnon et Jocelyne Bonneveau qu'on a fait sur le concept d'utilisation, tu sais, dans mon champ. Mais moi, j'étais, par ma formation, orienté sur ça. Alors, donc, il y avait des très beaux thèmes comme le concept d'adaptation sur lequel on est, le vécu partagé comme tel, tout le concept d'utilisation de... La notion de défi et de dosage dans l'apprentissage, ça, c'est comme des fondements, hein, on disait, dans les écrits en psychoéducation, c'est des éléments qui ressortent. Ça serait très aidant pour faire avancer la discipline de la psychoéducation. Alors, en gros, c'est un peu les éléments, là, quand je pense à la recherche là, en psychoéducation. Cet exercice de faire une espèce de retour me permet, tu sais, de moi-même de faire comme une analyse des choses que j'avais déjà écrites ou pas écrites, là, si on peut dire, et de faire le point en disant, bon, ça, c'est des constats. Qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'est-ce qui serait souhaitable pour l'avenir, tant en psychoéducation qu'en éducation, qu'en recherche dans la psychoéducation? Évidemment, en disant ces choses-là, je reviens à des choses qu'on a parlé, parce que c'est comme des éléments. Par exemple, je veux dire, que ce soit en éducation ou en psychoéducation, mettre de l'avant l'importance de la relation.
la relation de bienveillance, la relation de qualité, mettre de l'avant l'importance de travailler la croyance dans le potentiel du jeune. Tu vois, moi, des fois dans mes conférences, quand je donnais des formations en dépistage, je disais aux enseignants, vous savez, un jeune est à risque un jour, mais n'est pas à risque toujours. Et ça, c'est très important, cette phrase-là, à risque un jour, n'est pas à risque toujours. En difficulté un jour, ne veut pas dire en difficulté toujours. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, puis de la croyance dans ce potentiel-là. L'autre élément que je trouve très important, c'est, on ne l'a pas abordé beaucoup, mais la grande mode depuis un certain nombre d'années, c'est les bonnes pratiques, hein, qui est partie d'un mouvement là, américain, surtout en santé encore. Les bonnes pratiques, les pratiques qui se basent sur des données probantes. Et moi, je suis tout à fait favorable à cet élément-là, en mettant un certain bémol, dans le sens que j'ai tendance à faire la promotion beaucoup de l'alliance entre le savoir issu de la recherche et le savoir d'expérience. Ne pas rejeter ce savoir d'expérience qui est basé sur, si on peut dire, une pratique quotidienne qui est observée, une pratique réflexée. Il y a des conditions à ce que le savoir d'expérience soit valable, c'est-à-dire qu'il soit réfléchi, qu'il soit soutenu par des éléments théoriques, par d'autres pratiques. Et donc, faire cette alliance-là, parce que il faut faire attention sur en disant, moi je me dis, que ce soit des enseignants ou des psychoéducateurs, il ne faut pas que ça devienne des espèces de techniciens qui appliquent des programmes qui ont été montés, qui sont validés, là, tu sais, clés en main. Moi, je vois plus ces professionnels, justement comme des professionnels, qui sont capables d'aller chercher là, des programmes, des bonnes pratiques, et puis des ajuster en fonction, si on peut dire, des besoins des jeunes, puis de leur propre capacité, et de permettre une ouverture à l'innovation aussi. La créativité et l'innovation, ce qui est un élément très important dans un travail professionnel. Moi, ce qui m'emballait, c'était pas d'appliquer quelque chose, c'était de créer, hein, d'évaluer, de regarder, puis de partager, mais de répéter ou d'appliquer un programme. Bon. Alors, donc, cette alliance est un élément là, important. De la recherche et des données probantes. La recherche, pour en avoir fait beaucoup pendant beaucoup d'années, pour qualifier de bonne recherche, il faut contrôler beaucoup de variables. Et c'est ce que tu as appelé des conditions. Tu sais, à un moment donné, ce programme-là, il fonctionne dans les conditions suivantes. Il faut que les intervenants soient bien formés à comprendre le programme. Il faut que la sélection de la clientèle soit la bonne sélection pour, bon, bien sûr, il y a toute une série de choses. Ce qui fait que, dans la réalité de tous les jours d'un milieu, on n'a pas nécessairement toutes ces conditions-là. Ce qui fait que, la validité du programme, ben, elle baisse en fonction des fois des choses. Et c'est un petit peu dans ce sens-là là, que je raccroche le savoir d'expérience. Comprends-tu? La grande valeur, la valeur de la recherche, c'est sa, si on peut dire, sa validité, sa rigueur, et tout ça. Puis la grande valeur du savoir d'expérience, qui répond à certains critères, c'est qu'il correspond à la réalité du milieu. Le savoir d'expérience, lui, il se base sur, c'est un enseignant dans sa classe avec des élèves de tel niveau et de tel champ, il se base autour de ça, puis la répétition avec des années et tout ça. Et dans ce sens-là, il y a plus de souplesse dans les conditions. C'est pour ça que je dis, jusqu'à un certain point, je fais la promotion de l'alliance. Parce que la recherche, elle donne sa rigueur,
Puis le praticien lui donne sa réalité et ses éléments là, importants. Les élèves à risque, importance du dépistage tôt, ben ça, on en parlait tantôt. C'est important d'intervenir de façon précoce, de faire du suivi, du soutien, ça va. Soutien aux parents. OK, l'école de demain, c'est une école qui est un havre de paix pour les jeunes. Quand ils arrivent à l'école, ils sentent que les adultes qui sont là, c'est des adultes bienveillants. La bienveillance, c'est un concept, le caring, hein, c'est-à-dire des adultes qui vont prendre soin d'eux. C'est une école qui est sécuritaire, une école où il n'y a pas de violence. Donc, qui est protégée jusqu'à un certain point. C'est une école qui n'est pas centrée uniquement sur la compétition puis la performance. Il y a l'élément de réussite qui est important d'atteindre avec des défis. C'est une école où la culture est importante, où il y a de la place pour des jeunes dans leur rapport interrelationnel, puis qu'il y a du soutien pour qu'ils apprennent, dans le fond, à être des êtres en développement, à des personnes critiques. C'est une école qui accepte jusqu'à un certain point la critique, mais une critique là, positive, une critique de construction. Alors donc, c'est une école qui existe. Je suis certain, moi, qu'il y a des écoles qui existent comme ça, qui sont des écoles qui ont la première préoccupation, c'est des jeunes qui sont dans leur milieu, de la préoccupation des parents qui se donnent du trouble pour le développement de leur enfant et puis qui collaborent. Les parents deviennent dans une école idéale. Les parents sont des partenaires. Puis si les parents sont en difficulté, l'école se préoccupe de les faire aider. Je dirais, on a peut-être oublié, là, mais je dirais l'essentiel, là, c'est bonne relation, sécurité. J'arrive dans ce... Moi, je me rappelle, peut-être, quand j'étais à l'école secondaire à Verdun, c'était à l'époque, quasiment le début de la Révolution tranquille. Donc, les méthodes pédagogiques actives, ils commençaient, là, il y avait un petit bouillon. Et je me rappelle que j'étais bien dans cette école-là. On avait un laboratoire de physique, on avait un laboratoire de chimie, et puis il y avait du sport, d'éducation physique, j'étais gymnaste, je veux dire... C'était un milieu de vie intéressant. Important. Tu sais, l'école, moi, j'ai compris que pour des jeunes, c'est plus que d'aller apprendre là, à écrire, à lire, à compter, à faire bon, de la vie. C'est, comme tu l'as dit, c'est un milieu de vie. C'est leurs amis là, qui sont là. C'est des le réseau social. C'est un réseau social. Est là. C'est là que se vivent leurs premiers amours, des fois, les premières interventions communautaires, des projets communautaires, des petits projets d'entreprise. C'est là c'est une école. Et ça, en tout cas, pour un peu reprendre une préoccupation que tu as mis sur la table tantôt. Tout ça, les élèves en difficulté devraient y avoir accès. Ah oui, particulièrement. Quelle que soit le note, là. Oui, absolument, t'as raison. Donc, faire attention à la question de la sélection sur les choses, parce qu'on les élimine. Et je dirais que, jusqu'à un certain point, plus eux autres que d'autres, parce que l'élève sans difficulté, il réussit, lui, à passer à travers s'il y a un enseignant qui ne gère pas sa classe. Il réussit, il s'adapte. Mais celui qui est en difficulté, là, il a plus de difficultés. Oups, là, c'est plus dur.
Effectivement. Alors, merci beaucoup de ta générosité. Merci, Claude. Ça a été pour moi aussi une très belle occasion de réfléchir et de partager ce que j'avais le goût de vraiment de partager. Une belle occasion.